Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la mise en service du réfrigérateur et les conseils pour bien l'utiliser. Suite à la livraison ou à un déménagement, attendez 2 heures avant de le brancher. En ce qui concerne son emplacement, évitez de le coller contre un mur. Laissez toujours de l'espace derrière pour que le moteur puisse refroidir. Les côtés ne doivent rien toucher pour éviter les bruits de vibration. Sachez que sur la plupart des modèles, il est possible d'inverser le sens d'ouverture des portes. Il y a les charnières. Il faut se référer à la notice pour connaître la procédure. Les pieds doivent être réglés pour 2 raisons. La première, c'est pour bien caler l'appareil, pour éviter les bruits de vibration. Dans l'autre cas, il n'est pas bien calé. Et la deuxième, c'est de rehausser sur l'avant les pieds pour que la porte se ferme toute seule quand vous lâcherez la porte. Concernant l'emplacement, évitez de le mettre face à une fenêtre en plein soleil. Il aura plus de mal à faire du froid. Maintenant que votre réfrigérateur est à sa place depuis 2 heures environ, vous pouvez le brancher sur une prise mais avec terre uniquement. Et surtout, n'utilisez pas de rallonge, c'est interdit. Réglez votre thermostat pour avoir 4 degrés dans le réfrigérateur et moins 18 dans le congélateur. Sur celui-ci, on règle précisément avec un thermostat électronique. Là, on règle 4 degrés Celsius. Sur d'autres modèles, ce sera un thermostat mécanique avec un niveau minimum, un niveau maximum. Sur un thermostat mécanique, commencez par mettre le réglage au milieu et ensuite mettez un thermomètre dans votre réfrigérateur et vérifiez que vous avez bien 4 degrés environ. Lorsqu'il fait très chaud, ne modifiez pas la température de votre réfrigérateur. Vous allez juste consommer plus d'électricité et ça ne sert à rien. Si vous trouvez que les côtés de votre réfrigérateur sont chauds, c'est normal. Cette zone-là chauffe pour protéger le joint de la porte. Ça va retirer l'humidité et éviter que le joint en caoutchouc se déchire lors de l'ouverture de la porte. Maintenant que vous savez tout sur le frigo, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.